Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés. Ça fait bien longtemps que je n'ai rien posté, hein. Les aléas de la vie. J'espère que vous vous portez bien. Naba Corona Oyo avec ce Corona. J'espère que cette situation va bientôt se débloquer. J'ai vraiment envie d'aller au cinéma, d'aller manger de la chèvre, de voyager, d'un peu sortir, quoi. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Bon, commençons. Aujourd'hui, je voudrais partager quelques astuces pour apprendre le lingala assez rapidement. Vous l'avez peut-être ou même sûrement bien remarqué, mon lingala a un accent français. J'ai dû apprendre à le parler, mais je ne suis pas non plus partie de zéro. J'ai toujours été exposée à cette langue, à la maison, à l'église, pendant les fêtes. Et aussi, j'ai grandi à Bruxelles où la communauté congolaise est assez forte. Mais je ne m'exprimais pas en lingala. Mais des fois, comme ça, j'avais un peu de courage et je me disais, ben tiens, je vais essayer. Tu essayes, les gens se moquent, tu arrêtes. Faut savoir que le lingala est une langue comme une autre, hein. J'ai appris l'anglais et au début, je parlais avec des fautes, je parlais avec mon accent français et puis avec le temps, je me suis améliorée. Donc pour apprendre le lingala, c'est exactement la même chose, qu'on ait des bases ou pas. Pour pouvoir parler une langue, il faut commencer par la base. Moi, je ne crois pas en toutes ces personnes qui disent qu'ils ont appris une langue rien qu'en regardant les films. Je pense que, il faut au moins avoir une base. Il faut au moins connaître un peu de grammaire, de vocabulaire basique. Si tu ne sais même pas reconnaître un verbe et former une phrase, si tu as un vocabulaire, pauvre, je ne pense pas que tu vas aller très loin. Moi, j'ai appris l'anglais rien qu'en regardant les films et en écoutant les chansons. Hein. Les chansons, les films, ça aide beaucoup. Je pense que ça aide beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais si tu veux bien parler une langue, il faut quand même un minimum. Il faut quand même une bonne base. Il n'y a rien à faire. Hein. Si tu veux parler une langue, eh bien, il faut oser la parler. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Moi, je peux vous dire qu'on se moque souvent de moi à cause de mon accent français. Et même ici sur YouTube, hein, j'ai déjà eu des commentaires un peu moqueurs. Hein, et quelqu'un qui m'a déjà dit une fois Lingala ngopenza koseka. Ou bien il y a d'autres gens qui vont répéter ce que je dis avec mon accent pour se moquer. Ou bien on va me dire. On m'a déjà dit, oh, toi, t'es vraiment courageuse. Hein, t'es vraiment courageuse, mais laisse tomber, parle seulement en français. Parle seulement en français. Ouais. Au début, quand les gens me faisaient des remarques, ça me piquait un peu, quoi, et ça me décourageait. Mais vous savez, j'ai remarqué que ces gens-là qui se moquaient de moi, leurs enfants ne savaient même pas parler lingala. Et puis eux-mêmes, quand ils parlaient, leur lingala était rempli de mots français. Leur vocabulaire était pauvre. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est leur lancer des mots lingala là où on le remplace tout le temps par des mots en français. Et là, ils vont me regarder d'un œil et me demander, mais tu es mon gars là ou quoi? Donc, par exemple, je vais dire Kanga ekuke au lieu de dire Kanga porte, ferme la porte. Hein. Je vais peut-être dire Toko ba moi mouké au lieu de dire To continue moi mouké. Donc, continuons un peu. Faut savoir que le Congo n'est pas un pays uniforme. Il est constitué de diverses communautés avec des langues et des cultures différentes. Donc, si le lingala est important, il n'est pas parlé par tous. Vous pouvez aller au Congo et rencontrer une personne de la communauté Luba, par exemple, qui ne sait pas du tout parler lingala. Cependant, c'est une langue qui est importante, c'est une langue qui nous unit. Et surtout quand nous sommes en dehors du pays, c'est cette langue-là qui est la plus utilisée par la diaspora. Je suis partie au Congo l'année passée et je peux vous dire que on s'est moqué de moi, surtout les enfants. Ils se moquaient.
Mais bon, quand il parlait français, c'est là que je prenais ma revanche. Donc, faut pas se laisser intimider par tous ces gens qui font des remarques parce que ton lingala n'est pas très bon, parce que tu le parles avec un accent anglais, avec un accent français. Au moins toi tu parles, au moins toi tu essayes d'apprendre, toi au moins toi tu apprends ta langue. Commencez pas à pas. Vous savez, les gens utilisent beaucoup de mots en français quand ils parlent lingala. Moi, je n'ai jamais entendu des gens avoir une conversation entièrement en lingala. Hein. Le pire, ce que j'ai entendu, c'est en Angleterre. Pesanga verwana ya green. Donc, trois langues quoi. Donc, l'anglais, le français et lingala. Hein. Donc, vous pouvez entendre des gens dire Pesanga vert, donc donne-moi le vert. Nake na banque, je vais à la banque. Nake restaurant, je vais au restaurant. Donc, c'est tout à fait possible de commencer à parler, mais timidement. Donc, tu parles français, tu commences à rajouter des mots en lingala, un peu plus, et puis tu as une conversation française, tu rajoutes des phrases en lingala, un peu plus, tu vas crescendo jusqu'à te sentir beaucoup plus à l'aise et avoir des longues conversations en lingala avec des gens. Ça, c'est un truc qui m'a aidé. Trouvez-vous un pote sympa avec qui vous pouvez parler. Ça peut aussi être un groupe d'amis ou toute autre personne avec qui vous vous sentez à l'aise de parler. Moi, j'ai un ami avec qui je parle et il ne se moque jamais de moi. C'est très encourageant. Tu peux parler à l'aise, faire des fautes et être corrigé, t'améliorer. Et ça va beaucoup vous aider à pratiquer la langue, à vous exercer et à vous sentir un peu plus confiant si vous êtes un peu intimidé. Pour pouvoir communiquer, il faut comprendre et se faire comprendre. Et pour cela, il faut exercer son oreille. Et ça a été un gros problème pour moi quand j'apprenais l'anglais. Surtout à l'école, quand on avait des compréhensions à l'audition, j'avais toujours l'impression que je devenais sourd. C'est comme si mes oreilles étaient bouchées. Je ne comprenais rien. Oh, c'était horrible. Alors, pour exercer son oreille, il y a les chansons qu'on peut écouter avec les paroles. Donc, tu écoutes la chanson, tu lis les paroles, et ça permet en fait de voir. De savoir comment prononcer le mot et de pouvoir aussi le reconnaître. Moi, je trouve personnellement que les chansons chrétiennes sont les plus intéressantes, sont les plus riches. Parce que c'est pas partout que vous allez entendre des mots comme ici-bas, des mots comme Mopanga, Ngoende. Regarder les films, ça aide aussi. Mais ça, c'est beaucoup plus intéressant quand on a le dialogue. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant et enrichissant pour quelqu'un. Et si vous voulez que je poste des vidéos avec les chansons et les traductions, des extraits de films et les dialogues, vous pouvez me le faire savoir et je ferai de mon mieux.